Pour cette passion d'auteur, Jean-Claude Drouot nous parle d'Orson Welles. Bon, j'espère que Jean-Claude Drouot ne m'en voudra pas, mais il est pour moi un de mes plus grands héros d'adolescence, Thierry Lafronde, du temps où la télévision était en noir et blanc, mais les rêves en couleur. Depuis ce Thierry Lafronde, Jean-Claude Drouot a 40 ans de carrière au cinéma, au théâtre, à la télévision. Et cette gloire qu'il a eue avec Thierry Lafronde, il ne s'est jamais vraiment reconnu dedans. Un peu comme Orson Welles, qui a connu une gloire soudaine quand ce 30 octobre 1938, il annonce à la radio l'arrivée sur Terre des Martiens. C'est une panique dans toutes les États-Unis, mais il obtient un contrat fabuleux avec Hollywood. Et ce contrat fabuleux donnera naissance à des chefs-d'œuvre comme Falstaff, Le Procès, enfin des chefs-d'œuvre, mais des échecs commerciaux. Orson Welles a toujours couru après l'argent. D'ailleurs, cette course derrière l'argent est l'argument de la pièce que Jean-Claude Drouot interprète, Votre serviteur Orson Welles, de Richard Franz au théâtre Marigny. Où, dans cette pièce, Orson Welles en vient à prêter sa voix, son extraordinaire voix, à une publicité japonaise pour des aliments pour chats. Tout ça pour payer un film qui ne finira jamais, Don Quichotte. Dans la pièce que nous présentons, Orson Welles est à la fin de sa vie. Il vient de fêter son 70e anniversaire, qui allait être son dernier. Et là, on est dans un moment où l'âge, sa corpulence, voire son obésité, etc., les handicaps de l'âge venant, on aurait pu donner une image pathétique du personnage, disant, vous voyez, ce génie, cet être tellement renommé, et voyez comme c'est triste de vieillir, quoi. Et il ne s'agit pas de ça. C'est pas ça. C'est dire, voyez combien il reste combatif, combien il lutte, jusqu'au bout. Il s'est écroulé, 3 mois après, en octobre 85, il était devant sa machine à écrire. Voilà, il a lutté jusqu'au bout. C'est Citizen Welles. Voilà. Je peux dire que il s'est emparé de moi, je ne me prends pas pour lui, et paradoxalement, je lui laisse toute la place disponible dont il a besoin, et je me sens dilaté. C'est-à-dire qu'il me... Il est allé me chercher dans mes retranchements. Je ne suis pas dans la vie extraverti comme il l'était, comme ça. J'évite d'avoir un égo personnel tyrannique et tout ça. J'aime pas trop ça. Lui, au contraire, ben, Orson Welles, c'est Orson Welles. Ben, comme ça. Bon. Le film qui me touche le plus, c'est son Falstaff. C'est son Falstaff où il y a justement cette... Au-delà du personnage Falstaff qu'il interprète de façon extraordinaire, il y a, au-delà du personnage rusé, malin, etc., jouisseur, ivrogne, etc., il y a justement cette l'amande intérieure, la petite géode comme ça de tendresse infinie. Et quand son prince Hal, devenu Henri V, lui signifie son congé, son éloignement, il y a là une scène absolument bouleversante, l'incrédulité de Welles dans Falstaff, l'incrédulité devant... Voilà, il y a là dans le sourire une chose absolument magnifique. Eh bien, je pense que le travail que j'ai essayé de conduire avec cette pièce, c'est de faire entendre la voix la plus intime, la plus authentique de cet homme et de son œuvre, j'espère. Merci beaucoup, je pense qu'on a, et on a envie d'aller vous voir au Théâtre Marigny dans cette pièce, je rappelle, Votre serviteur Orson Welles. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous l'ai dit au début, je suis très heureux, très personnellement heureux de vous recevoir dans Café Picou. Merci de votre amitié. Merci beaucoup. Merci.